Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, au programme du jour, une petite pêche, voilà, sur un petit lac. Tout petit, très tranquille. Il n'y a personne, il n'y a pas un bruit. On est loin de la ville, on est perdu dans la forêt. Vraiment un petit trou paumé où je ne suis jamais venu. C'est la première fois sur ce petit lac. Et j'ai dû adapter un petit peu mon spot pour ce week-end-là de pêche. Parce que si vous avez suivi un petit peu mon actu sur Instagram, voilà, j'ai eu un petit accident domestique. Je me suis littéralement flingué le dos, on va dire. Donc compliqué pour moi de sortir le bateau, de sortir le flottube, d'aller très loin, de faire beaucoup de route. Donc voilà, je suis pas très loin de chez moi sur ce petit lac. Pas trop mal. Il paraît qu'il y a du black bass. Au moment où je tourne ces images, la période de reproduction normalement est terminée. On va quand même surveiller en bordure s'il n'y a pas des couples encore en train de frayer. Mais sinon, on va les laisser tranquilles, il n'y a pas de souci. Et on va essayer de s'amuser avec des leurres toutes sommes légers, on va dire. L'inconvénient un petit peu dans mon département, c'est que le bass, on le pêche pas vraiment à l'américaine, c'est-à-dire avec des gros trucs de bourrin. Ça peut arriver, de temps en temps ça marche, mais globalement en ce qui me concerne j'ai des meilleurs résultats avec des approches un petit peu plus tranquillou, avec des leurres un petit peu plus petits. Donc on va quand même attaquer de bon matin parce qu'il a été très tôt. Ça se dit pas, il fait très tôt, mais c'est pas grave. Je viens juste d'arriver, le lever du soleil c'est dans 2 minutes, le lever officiel, hein, parce que là ça y est on y voit. Et on va attaquer direct au leurre de surface et après on va voir, il va faire très chaud normalement dans la matinée. Donc peut-être que les poissons vont monter en surface, on va pouvoir les attaquer à vue. Bref, un beau programme qui nous attend aujourd'hui, c'est parti. Allez, nous y sommes, au bord de ce charmant petit plan d'eau. Pas de vent, pas de gens. Et j'espère du poisson, on va attaquer, il est 6h10. Levé du jour officiel, on peut pêcher normalement une demi-heure avant, mais bon, le temps d'arriver quoi. Petit coup de stick bait, et on va voir s'il y a du bass. En surface, ça peut le faire, on est en pleine période, on est en plein été. Et vu que j'ai pas trop d'infos sur la profondeur, ben commencer avec un leurre de surface, c'est pas forcément déconnant, comme ça j'accroche pas direct. J'ai pris une canne assez légère, comme je vous disais, donc c'est une canne medium light, 5-15 grammes, 2m20 qui va me permettre de catapulter très loin. Un moulinet en taille 2000, une tresse en 8 centièmes, un badinet en 20 centièmes. Voilà, vraiment pas gros, et un leurre en 7 cm pour commencer. Si vraiment il faut affiner, j'ai la canuelle dans la voiture. Mais bon, ce serait bien quand même de ne pas devoir pêcher avec des trop petits leurres, quoi. Faire une bonne pêche de basse, quoi. Quelle violence, regardez ce tout petit black bass. Il m'a attaqué, mais comme une brute. Alors, pour se foutre un hameçon dans le doigt, il n'y a pas mieux. Donc on va le libérer rapido. Voilà, il est là, zou. C'est ça qui est ouf avec ce poisson de sport. Il a attaqué un leurre qui faisait à peine 2 cm de moins que lui. C'est incroyable ces poissons. Bon allez, je suis pas capot. Mais bon, quand même, essayer de viser ses grands frères, ça serait pas une mauvaise idée, quoi. Voilà, bon hopper popper. Allez hop. Bon les amis, tout doucement là, je suis en train d'élaborer un plan pour pêcher en ultra léger. C'est fou, il y a zéro activité. À part le fait que je tombe ma boîte, ça c'est de l'activité. Je vais tenter maintenant un petit coup au chatterbait. On verra bien. Parce que bon,
L'avantage et l'inconvénient à la fois du plan d'eau, c'est qu'il n'est pas hyper grand. Donc bon, si vous avez fait 8 lancers au crank et que vous n'avez rien pris, vous faites 8 lancers au shutter, 8 lancers à je sais pas quoi, vous avez rapidement peigné la zone. Donc il n'y a pas besoin d'insister plus que ça. Il n'y a pas 36 000 couches d'eau non plus. Ça va plus vite pour voir ce qui ne marche pas. On va voir. J'ai 2-3 trucs à tester encore. Et après, on ira chercher la canne light. Vraiment pêcher à l'insecte, au worm, à wacky, éventuellement en bordure. Parce que là, en pleine eau, ou même à ras, avec des leurres un peu costauds, j'ai pas de résultat pour l'instant. Hein. Oh, il y en avait un joli qui suivait, mince, pourquoi tu l'as pas pris toi? Il suivait, mais vraiment par curiosité, je n'étais pas sûr qu'il allait le bouffer. Ah, il faisait 30, hein. Purée, mince. Bon. Voilà, un premier tour du lac rapide. Déjà de fait. Plusieurs leurres de type medium light à tester. J'ai vu des poissons de 30-35. Qui rôdait, qui je faisais partir, il sortait des bordures en fait, voilà. Plus des petits poissons, ça a chassé un peu là-bas sur la fin. C'est ce que je craignais, voilà, il faut les attaquer beaucoup plus finement. Bref, nous voici donc avec la canuelle. 0,55 de puissance, 2,10 m, elle lance quand même très bien. Petite tresse en 6 centièmes. On va commencer avec un petit leurre. Je suis seul encore sur le plan d'eau, donc j'en profite. Hein. Ouh, il y en avait un costaud là. Ouais, il y est, il y en a un là. Il y en a un juste dessous. J'agite mon worm sous le nez. Prends-le. Oh le salaud quoi. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Oh, ce refus qu'il m'a mis. Ouais, poisson. Ouais. Oh, sur le popper. Ah, c'est correct en plus. Ah, c'est joli. Moi, je suis en light aussi. Et sur un tout petit popper. Et c'est un bass, donc ça se bat bien. Oh, il m'a surpris celui-là. Comment il m'a surpris. Ah, il est beau, hein. Ah, il fait pas 40, mais... Oh, ben là, il fait ce qu'il veut. Je vais desserrer le frein. Oh là là, la chandelle. Ah si, il est fait peut-être les 40 d'eau. Incroyable. Incroyable. Il est sorti de nulle part. On voit tout là. Je vois le soleil est là. Donc en fait, je vois le fond quoi. Je sais pas d'où il est arrivé. Je sais pas d'où il est arrivé ce poisson. Il y a des branches en bordure. Eh, il est fait peut-être les 40 frérot. Hein. Attention, la chandelle. Oh. Baisser en taille de leurre, baisser en taille de leurre, baisser en taille de leurre. Voilà, voilà ce qu'il faut faire depuis plusieurs sessions. Et il est trop beau, sérieux. Oh, attention la chandelle. Oh, mais si, mais il les fait direct les 40. Oh, ce délire. Regardez ce bestiau. Et alors, toi?
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu préfères les petits poppers? C'est plus à ton goût? Il a fallu baisser sur un tout petit popper pour réussir à décider ce poisson. Eh ben écoutez les amis, moi je suis pas malheureux. C'est un sacré basse, oh. C'est un sacré basse, là on rigole plus là. Yes. Ah, j'étais venu pour ça. J'étais vraiment venu pour ça. Et en plus, sur ma technique de prédilection, ultra léger, tout petit leurre, je suis refait. Refait. Alors, on va voir combien il mesure ce poisson. Hop, tac. Je le mets sur le sol mouillé. T'es sympa, toi. Tu bouges pas trop. Je fais toujours à la louche dans l'épuisette. Hein. Je suis pas un centimètre près. Ben, nous avons un basse de 44 cm, les amis. 44 cm pour cet énorme bestiau. Yes! Regardez-moi ce parpaing, quoi. 44 cm sur un popper de 4 cm. C'est énorme. Énormissime. Énormissime poisson. Ça fait vraiment plaisir de faire des jolies bêtes comme ça. Allez mon petit gars, je te laisse. Vas-y, file. Énorme. Je suis refait là, joli poisson. Je commençais à désespérer parce que j'ai quand même fait un tour et demi déjà du lac. Mais bon voilà, en adaptant la technique, joli poisson annuel. Yes! Bon les amis, je vais arrêter là, un peu à contre-cœur, mais voilà, j'ai un peu mal au dos, c'est difficile de continuer là. J'ai fait 2h30 de pêche, c'est pas énorme, j'aurais aimé faire plus. J'aurais aimé faire plus de poissons aussi, mais bon, je vais pas me plaindre, je suis quand même pas malheureux avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà, me tarde déjà de revenir et de refaire des sessions plus longues, mais là voilà, j'ai trop mal au dos. Et je vais aller me reposer, c'est mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu. Et qu'elle vous aura plu effectivement. Donc lâchez un gros like si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis moi à très vite, en forme et pour de nouvelles aventures. Et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao.